Salut tout le monde, je tenais juste à m'excuser parce que la HD n'est pas disponible pour cet épisode, c'est de ma faute, je suis désolé, donc je ferai gaffe la prochaine fois. Bon visionnage. Salut. Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans ce troisième épisode de Malo's Adventures, qui commence tout de suite. Alors, on commence à être envahi de lapins là. Hein. C'est Pennyland. On en tuer quelques-uns, j'aime bien. J'aime bien tuer les lapins. Alors voilà, j'ai donc remis notre ami. Et donc c'est bien le lag, hein, c'est bien à cause des machines. En fait, plus on joue, plus ça se met à laguer quand les machines sont actives. On avait donc prévu de faire des lampes. Donc pour ça, il nous faut des lumards. Et pour les lumards, il nous faut de la poudre d'os. Et on est sûr qu'on a besoin de verre. Donc on va mettre à chauffer du verre. Et pour ça, il nous faut du sable. Et pour faire du sable, on va macérer de la cobble. Voilà, les machines sont très chaudes, hein, parce que je les ai fait chauffer avant. Donc, ça part pas, là? Si, ça part. Normalement, le problème en bas est résolu. Je vais vous montrer. En fait, il aurait fallu, pour bien faire, séparer les machines... Enfin, que les tuyaux en bois ne touchent pas deux machines en même temps. Donc, du coup, j'ai dû improviser. J'ai dû mettre un filtre ici. J'ai galéré. Vous voyez, j'ai mis des iron pipes qui disent normalement qui ne permettent qu'une seule direction possible. Donc là, le truc va forcément tourner vers le filtre. Voilà. Et les filtres, en fait, je leur ai dit, donc la ligne bleue, c'est tout ce qui est bloc. La ligne verte, c'est tout ce qui est poudre. Donc les blocs vont forcément tourner à gauche, ils n'ont pas le choix. Donc tous les blocs vont se retrouver dans ce coffre ici. Voilà, donc le problème est résolu. En attendant que ça chauffe, nous on va aller... Parce que j'ai un donjon squelette. Et un pipou. Ah, vous voyez, j'ai mis une pancarte. Donjon squelette, première à droite. GPS intégré. Donjon squelette. Alors, il est où déjà? Dégage, pipou! Ça a l'air d'être ici. Je veux bien voir là. Il y a. Bonjour, il y a quelqu'un? Bon, apparemment les squelettes n'ont pas encore spawné, je viens de lancer la partie. Ah, ça spawn. Ils attaquent Pipou! Allez! T'es un fou! T'as défoncé? Allez, attaque-les, je te guérirai après. Vas-y, moi aussi j'attaque. Putain, il y a du monde. Ah! C'est en train de buter mon pipou! C'est bien, mon chien. C'est bien, t'es un fou. Vas-y, on s'arrache. On a des os, on a des os. Allez. Viens, viens. Allez, espèce de moule! Bah attends, je vais te faire spawner. C'est bon? Yeah! On a chopé quelques os furtivement. Ah, ça c'est un bon chien, ça. Vas-y, viens là. C'est un bon chien, vas-y, assis. Assis. Un petit nanos. Oh, oui, j'aime bien. Et voilà. Donc, on a de la poudre d'os. On avait déjà un petit peu, mais... On aura besoin de beaucoup de lampes. Donc là, c'est terminé. Donc, ils sont ici. Voilà. Et on fait chauffer ça. Hop. Ça, c'est juste magique. Hein. Vous voyez, c'est tout expédié. Alors, on va faire les lumards. Donc, on a besoin de redstone. La redstone qui se trouve là. Voilà, de poudre de glowstone. Et c'est ici, je crois. Hein. Non, même pas, même pas. Je peux faire ça là. Alors, c'est comme ça. Comme ça, comme ça. On en a fait 26 déjà. Donc ça fera 13 lampes. Il nous restait de la poudre d'os ici, je crois. Ouais, on n'avait pas beaucoup. On a bien fait d'aller en chercher. On a bien fait d'être allé en chercher. Le verre, ça doit être bon. Bon, ça arrive. Ça, alors on va éteindre les machines, on va gagner quelques FPS, ça va être pas mal.
Donc, on va attendre que ça arrive. Alors, apparemment, ça n'arrive pas. Ça marche jamais comme on veut. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, peut-être? Je me suis peut-être trompé. Oh là là. Le vert a totalement disparu. Ah, le vert, alors, s'est planté dans le rouge. Donc, pourquoi? J'ai dû me gourer. Hein. Ah bah oui, je l'ai pas mis dans le filtre, forcément. Donc voilà. Maintenant, ça ira au bon endroit. Quand vous le mettez dans le filtre, ça vous le prend pas, hein, ça le copie. Donc le vert ira bien dans le bleu la prochaine fois. Alors voilà, on a du vert. Donc maintenant, on va regarder en appuyant sur U. Voilà, une glowstone. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher les lampes. Alors, comme ça. On va pas en faire beaucoup, hein. Pas beaucoup de verre malheureusement. Est-ce qu'on se refait du verre? On va d'abord utiliser ça. Là. Donc on en a 8 pour l'instant. On va refaire du... remarque-moi, on peut en faire plus, hein, je suis con. Hein. On va bien tout diviser. Que 2 en plus. Voilà, donc on en a 10. Donc là il fait nuit, on va les faire dodo. Et on va se faire des torches. Parce que à terme on les mettra sur des... Oh merde, le clic droit, putain. Oh, fait chier. À terme, on mettra les lampes sur des piliers. Mais pour l'instant, on n'a pas de quoi faire un four, un alloy furnace. C'est un four en brique, en fait. Faut trouver de la brique. C'est pas forcément commode de trouver de la brique. J'aime bien avoir des sticks pour le chien. Voilà. Non, c'est là. Donc, on va sortir. On est en zoom. On va zoomer une fois, quand même. Voilà. Donc, c'est assez clear. Clear. Moi ça me semble... Alors c'est quoi le mob qu'il y a là-haut? Un scorpion, c'est bon. Moi je pensais, avant de pouvoir les mettre en hauteur, les mettre dans le sol. Donc... Une torche en bas. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il y a un trou en trop là, oui. Donc une torche en bas, je disais, et la lampe. Oh, je suis un trou en trop à chaque fois. Voilà. Allez, bordel de pion! Voilà, et je vais placer donc les autres lampes. Voilà, ça me semble bien comme ça. Donc la nuit, ce sera éclairé. On peut faire un test très rapidement, parce que je veux pas mourir. Voilà, c'est éclairé. Donc ça, c'est pas mal. Et à terme, on essaiera de se faire un four qui nous permettra de mettre les lampes en hauteur. Là, tu touches pas à mon ours, c'est mon ours. D'accord ? Dégage. Saleté. Voilà, donc pour les lampes, donc ce sera... J'en mettrai d'autres peut-être hors vidéo. Hein. Et un truc qu'on peut faire aussi, c'est déjà commencer à creuser notre baobab. On va les poser tout notre bordel. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais hors de ta cage? La cage, c'est la chambre. D'accord. Alors, la porte n'est pas fermée. Il en reste il en reste assez dans la chambre pour refaire des petits, donc tout ça, ça vire. Au revoir les loulous.
Voilà. Oh, mais c'est pas possible. Allez, bouge. Il est sur le levier, le saligo. Tu es décédé. Toi aussi. Alors, on a des poudres à poser, puisqu'on a de la redstone et tout ça. Ah bah non, on n'en a plus de redstone. Bon, on va mettre les torches de redstone ici, comme ça on saura où les trouver. La luminite, c'est là. Les os. Salut, Biquette. Et la fourrure, ici. Voilà, les poudres de Lumar, c'est là. Non, on va les mettre avec les composants Tekkit. Et le verre, c'est ici. Et le charbon, oh là là, beaucoup de trucs. Hein. C'est là. Voilà, voilà. Donc, la tronçonneuse est là. Ah, j'ai oublié de remettre les flèches ici, pardon. Donc on va... des échelles, il nous faut des échelles. Forcément. C'est comme ça les échelles, ouais c'est ça. Alors, tac. On va s'en faire pas mal. Et pour monter en haut de l'arbre, hein, il y a bien une vingtaine de blocs. On va se refaire. Voilà. On passe beaucoup de temps dans la cuisine. On va se faire des sticks, hein, on va y aller franco. Paf. Voilà. Super. Allez. Viens, Pipou, viens avec moi. Si jamais je me suis attaqué. Hein. T'as faim ? N'as faim ? Hein. Ben, moi aussi, n'as faim. Pas de points rouges, c'est super. Une souris. Bon, allez, c'est tranquille. Les animaux sont tous là, c'est génial. Alors, on va se faire des... Hop. Donc on va se faire la porte ici. Hein. Et on va monter donc vers le haut. Donc comme ça, c'est quand même pas mal de boulot... non, on pourra pas mettre d'échelle si je mets la torche là. Donc la torche, ce sera ici. Hein. Donc c'est pas mal de boulot de façonner le haut de l'arbre, c'est quand même très grand, donc on va juste creuser et mettre les échelles hein, pour l'instant. Alors, le problème c'est qu'il va falloir creuser jusqu'en haut. Alors, on va mettre des torches en attendant. On va mettre la torche vers le haut, voilà. Hop, alors. Moi, je pense que ça va être pas mal, cette histoire. On regarde bien vers le haut. On met une torche. Voilà. C'est haut, hein. Il est grand, cet arbre. On va monter là. On regarde vers le haut encore. Et voilà. Pourquoi la... Et on est dans les feuilles. Donc est-ce qu'on se fait quelque chose dans les feuilles? Ou est-ce qu'on... Comment dire, on a plani les feuilles pour faire un genre de cabane. Je pense que ce sera plus joli une cabane avec un toit et tout. Ça va être plus, ça va être beaucoup plus joli. Et en plus, je suis obligé de faire ça. Je peux pas faire ça en World Edit parce que le MC Edit, il déconne à cause de tous les mods. J'ai déjà essayé. Qui a tapé mon chien? Ah, il était monté peut-être. Donc voilà. Donc on va se faire quelque chose là-haut, ça va être mortel je pense. Donc je pense que ce sera fait dans le prochain épisode, ou au moins ce sera prêt à être fait, c'est-à-dire que j'aurai aplani le haut de l'arbre. Donc ça me semble super. On va faire les petites tâches ingrates, comme par exemple nourrir les bêtes. Donc toi tu restes là. On va prendre la canne à sucre. Et donc maintenant en fait, je prends juste ce dont j'ai besoin. On va prendre que ce côté-là. Pas besoin de plus. Normalement, il y en a où qui est là.
un petit coup de houe. Barrez-vous les papillons, juste, s'il vous plaît, quoi. Comment ils rentrent? Pas possible. Il y en a un autre? Attention, hein. J'étais à l'œil, moi, hein. Voilà. Donc. Ouais, on va mettre ça, non? Non, on va prendre comme ça. Les graines, juste. Ça et ça. Voilà. On va en mettre la moitié. On n'a pas besoin de plus. Toujours qu'il y a des poules qui se barrent. Ça c'est. Allez, on vient bouffer là les loulous. Comme moi j'ai besoin de la bidoche. Oh le bordel. Bande de morphales. Ah tiens, toi t'as envie de revenir tout à coup. Hein. Je suis coincé. Mais bouge. Oh, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh bah c'est con, tu ne verras pas la vie. Alors. Qui a faim là? Ah bah il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Toi le blanc, t'es beau toi. Voilà. Donc voilà. On a chopé des œufs. On va les détruire parce que j'en ai trop déjà des œufs. Et moi, j'irais bien me rechoper des os. Donc, on a besoin de notre ami Pipou. Qui est réglé sur le mode berserker. Donc, il tape tout ce qui bouge. Ah non, il est en... agressif. Ouais. Allez, viens, mon chien. On va bouffer du squelette. Allez. On va casser les torches. On va attendre un petit peu. On va attendre ici. Hors caméra. Et c'est parti. Un Pipou. Allez, je me fais attaquer là. Qu'est-ce que tu glandes? Ah mais... Il sert à rien ce chien quoi. Allez, attaque, saleté. Vas-y, descends. Voilà. Tu vois quand tu veux. C'est tout? Avec deux? Ah, moi je prends cher. Ah, ça va, il attaque fort le chien. Le problème, c'est que moi, ils me visent dès qu'ils apparaissent en fait. Ce qu'on peut faire, c'est enfermer le chien avec eux. Quoi. Là, je suis un bâtard, mais Number, Number. Ah, reste là, reste là. Dégage. Ah, merde, la torche. Hop. Vas-y. Fais-toi plaisir, mon loulou. Oh, moi, je me fume une clope, toi. Ça n'apparaît pas apparemment. On va pas perdre de temps hein. Ah si ça apparaît là. En fait c'est dès que je suis à proximité quoi. Vas-y. Yes. Ça c'est un bon loulou ça. Le chien peut même avoir un inventaire en plus. Si j'augmente une certaine. Ah bah y'a rien, y'a pas d'os, y'a que dalle quoi. Si j'augmente une certaine un certain truc, c'est pack puppy je crois. Il peut même avoir un inventaire. Donc je pense qu'il peut ramasser des trucs. Bon bah ça bouge plus. Ah bah ça va, t'es monté du premier coup. J'ai bien ça. Bon allez. On va tracer. On va tracer. Hop. Donc voilà, on avance progressivement. Là, on a fait des lampes, comme c'était prévu, en fait. Et dans l'épisode d'après, on s'occupera de notre arbre. On va faire un joli truc. Voilà, juste avant, on va sortir pour voir un petit peu ce qui se passe la nuit dans notre coin. Vous voyez les lampes ici, hein, ça a l'air maintenant, ça spawn beaucoup moins. Jusqu'ici, on avait des points rouges un peu partout. Donc, on va partir à la chasse. Ah, on voit vraiment rien.
Y a absolument rien. Bon bah tant pis hein. Non, y a rien, on va pas s'écouter, hein, ça arrive, hein. Y a des nuits où y a que dalle, donc on va s'arrêter là. Je m'excuse, je viens de me rendre compte que j'avais totalement oublié de l'enregistrer en HD. Donc ça sera un épisode un peu moins bien que les autres, où y aura pas la HD, donc y aura une bonne image quand même. Mais... Allez, bon, c'est pas grave. Il va spawner si je recule. Voilà. Ah si. Manger. Aussi manger. Je vais aller faire dodo et puis je vous dis à très vite pour un épisode 4. Salut tout le monde.